Hey, salut les gens, c'est Sensu et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 9 de notre let's play sur Outlaws. Donc on avait enfin réussi à sortir de notre labyrinthe aquatique et aujourd'hui on vient ici, dans ces bâtiments. Je sais plus ce que c'est ce niveau, je le connais plus. Je ne m'en souviens plus. Oh, il y a quelqu'un. Reviens. Ok, une petite chapelle. Wow! T'as du monde partout là. Mais revenez! Vous barrez pas, je suis en train de vous tuer. Personne d'autre en haut là. Ok! Ça va être un petit force en fait, un petit fortin. Hop, il y avait quelqu'un, non? Oui, il y a quelqu'un, on te voit. Je sais pas ce qu'il fait. Reviens. Il est en train de glitcher. Je tire sur le gros, le mec il vient, il se met devant. C'est trop facile avec les lunettes, hein. Beaucoup trop facile. Il était un peu immortel lui, non en fait. Don't be a fool, Marshall. Oula, c'est dangereux ça. Ah évidemment, il faut une clé, on peut pas passer là. Ça va être... Eh oh! Le mec il me tire dessus. Il faut une clé partout. Il faut une clé partout, on peut pas passer. Je suis là. On va faire dans l'ordre. Faisons la petite cahute. Ah mais c'est même pas la même porte. Ça va pas au même endroit. On peut pas passer, on peut pas passer. Il y a qu'un seul chemin pour monter. Ok, alors j'arrive là du coup. Il y avait la clé, je l'ai même pas vue. Ça tire derrière moi. Ah bon, il est tombé. Il est carrément tombé. Reviens. Viens. Viens. Là, il y a un escalier. Quoi ça? Pourquoi il y a un décalage là? Ça fait très porte secrète, hein.
Wouh! Je t'ai vu. Oula, la dynamite. Dynamite. Sauf qu'à chaque fois que j'en ai de la dynamite, je sais jamais où l'utiliser. Putain, la trompette quoi. Encore une clé. Yes. Les musiques de ce jeu sont juste énormes. Pas aller plus loin. Pas grand tout ça. Oh. Oh, ils auraient pu faire en sorte que ça clone. Que la cloche sonne. Abréviation globalisée. Qu'est-ce que c'est? Ok. Un bout de cadavre qui dépasse. C'est pas grand et pourtant j'ai pas la pince que je veux là. Pas cool. Parce que j'ai plein de clés maintenant là. Qu'est-ce que j'ai comme clé? Non, c'est pas ça que je veux faire. Ouais, j'ai deux clés en tout là. C'est quoi qu'il me faut? Pourquoi je l'ai pas celle-là? Là j'ai pas d'autre porte. On va remonter en haut parce que en bas j'ai vraiment tout fait là. Ah mais je peux passer par là. Ah, forcément si je prends pas toutes les passerelles. Et j'ai plus beaucoup de balles en fait. Faudrait que je puisse descendre là. Je peux pas péter un sol. Peut-être qu'au bout j'ai l'autre clé. Ah bah, et jusqu'au bout de la plateforme avant de vouloir tout défoncer. Maintenant que j'ai de la dynamite, je veux tout faire péter. C'est mon objectif de vie. Voilà. Là, il suffit d'aller jusqu'au bout et t'as toutes les clés. Puis balle. On va prendre une grosse sulfateuse là. Voilà. Parce que là je sens que je vais me faire attaquer. C'est bien qu'ils visent les mecs quand même.
Qu'est-ce que c'est que ça? Des peintures rupestres, ok. Bon, je vais reprendre mon fusil là parce que c'est pas très précis ça en fait. Hein. Une étoile de shérif! Je vais jamais y arriver. C'est un jeu de plateforme, je vais jamais y arriver. Je le vois venir. Parce que je me connais, hein. Je sais comment ça se passe dès qu'il s'agit d'acquérir des plateformes dans un FPS. A chaque fois, je suis pas bon. Il va y avoir quelqu'un là, c'est obligé. Alors ça. Ça se fait péter ça. Même pas. Oh je suis déçu. Oh, je vois ça, j'ai envie de faire péter tout de suite le mur là. On retombe sur un labyrinthe de folie. Alors là, on va peut-être éviter de tomber. Trop dangereux. Voilà, voilà. Là, c'est pareil, c'est hyper dangereux, ça. Qui m'a tiré dessus? Ah oui, non, mais si vous y mettez... Ah, mais il y a des gens là aussi. Mais ils sont vraiment... Bah, c'est des billes ou quoi? J'étais dans mon dos, ils m'ont même pas tué. Alors je me suis planté, j'ai mis l'invincibilité. Non, j'ai pas mis l'invincibilité. Je ne l'ai pas mise. Non, bon, j'ai regardé, j'ai pas du tout l'invincibilité. Donc, théorie, ça peut le faire. Allez, ça c'est fait. En fait, c'est fait pas si peur que ça. On récupère les munitions gentiment. Tac, tac, tac. L'étoile de shérif. Alors là, il s'agit de pas se planter. C'est bon. Voilà. Alors, ici, on va aller tout droit, tout pareil. On a peur de rien, on y va, c'est fou. Tac. Là, bah, y a rien. C'est super dangereux. C'est super dangereux. Oh! Oula, mais c'est le boss, lui. C'est le boss! Alors, on va le tuer comme ça. Comme tous les boss, de loin. I meant by enlightenment. I did not mean burn down the property, kill the wife, and kidnap the child. Oh, well, I guess things just got a little out of hand. Oops. Out of hand? Now I got a crazed father after me and his little brat out back. Now you got me into this mess. You get me out of it. Well, Mr. Graham, all my medical training says that you can't reason with a crazy man. So, kill him! That is music to my ears. Consider it done. And I'll kill the girl. No, Mary. I don't murder children. Yes, sir, we must love and protect the children. They are our future. That's what the good Lord said. Suffer the little children to come unto me and forbid them not. For such is the kingdom of God. Bon, mais voilà, ce fut un petit niveau très très court. Ce qui est pas plus mal, remarque. Et là, on se lance dans un nouveau niveau, donc ça sera un nouvel épisode. Ça tombe très bien, on est sur le quart d'heure de jeu. Allez, à plus les gens, ciao, ciao.